Bonjour à tous, nous voici au parc Ouattine, mais dans un endroit très particulier du parc, puisque nous sommes dans l'enclos des ânes. Alain, le grand chef avec son assistante, est-ce que les ânes souffrent de la chaleur? Dis-moi ce qu'il faut faire, quels sont les soins que vous apportez aux ânes en ce moment? Bon, les soins, c'est au moins les brosser deux fois par semaine et faire leurs pieds, qu'ils ont les pieds très secs avec le sol qui est sec. Alors, il faut les graisser. Après, la chaleur, bah, ils vont se mettre vraiment à l'ombre eux-mêmes. C'est eux qui jugent s'ils ont chaud ou pas. Mademoiselle, et vous, alors, à part beaucoup d'affection que vous apportez à Cagnou, alors dites-moi. Moi, des fois, j'arrive et puis il y a des gens, donc ils n'hésitent pas à demander, poser des questions et je vais renseigner bien en entier. Alors, après, je vois qu'il y a des groupies, des fans. Lily. Des fans, oui. Oui, des fans, hein, oui. Hein. T'aimes venir ici? Ah, j'adore, c'est mon Éden ici. Jean-Luc. Moi, j'aime bien aussi de venir ici. Donc voilà, on est dans un petit endroit, un petit creux de paradis à éther. Et on sait surtout qu'il ne faut pas nourrir les ânes. Voilà, il y a l'association du Bourrico Club qui est là pour s'en occuper. Tout va bien, ils sont en pleine forme. Voilà. Et je profite au nom de tous les éthérois et des éthérois pour vous remercier. À très bientôt. C'est bien.